Hey! Non, c'est le troisième jour aujourd'hui. Et comme tu as pu le voir, depuis tout à l'heure, je passe dans une espèce de canyon là. C'est juste, là, j'ai même pas fait 2 km, tu vois, puisque j'ai pris le temps, j'ai beaucoup filmé, t'as vu. Ouais, donc ouais, c'est cool. J'ai jamais marché dans ce genre de truc, jamais. Et bon, c'est un peu. Avec toutes les caillasses et tout, c'est un peu. Faut faire attention quoi, mais ça va, c'est il y a zéro difficulté en réalité, tant que tu mets pas ton pied dans l'eau pour marcher sur une pierre après et glisser, tu vois, ce qui ne m'est pas arrivé, parce que voilà quoi, ça sert à quoi de marcher autant si c'est pas pour retenir les trucs qu'il faut pas faire. Mais bref, donc ouais, donc c'était pas mal là-haut aussi, c'était super joli. Et là je redescends et je descends, je descends, je descends, je descends. Donc, en gros, c'est la seule vraie montée de la journée, on va dire. Mais bon, je suis parti de 140 mètres pour arriver à 220, 230, peut-être 250 tout en haut. Bref, pas grand-chose. Donc, il est rigolo, ce petit rocher, là, qui un jour va tomber, je pense. Parce que s'il est arrivé là, c'est qu'il est tombé de quelque part. Donc, à un moment donné, il va tomber plus bas, quoi. Bref, donc, c'est facile, c'est agréable de marcher là-dedans. Il y a un peu de monde parce que depuis hier j'ai vu ça, t'as des accès aux routiers pas très loin. Et donc voilà, donc là je vais continuer. Il est encore tôt, il est même pas 10 h parce que je suis parti, il devait être 9 h 15, un truc du genre. Donc voilà quoi, ça va le faire, tranquille. Et là où je dors ce soir, je récupère pas de chambre avant 17 h, donc j'ai le temps avant d'y arriver, quoi. Sur ce, bim!
Hey! Donc là, je suis arrivé à l'entrée Sid. Donc ouais, donc c'était de la caillasse ou alors que des planches. Et j'ai croisé plein de peuples. Et je constate que c'est très populaire comme endroit. Et donc ouais, donc c'est soit des planches, soit quand ça finit, tu passes dans la caillasse. Mais ouais, c'est... Voilà. Et septembre aussi, ici, c'est le mois des retraités parce que j'en ai croisé plein. Et tu sais comment on reconnaît, j'y pense là. Tu sais comment on reconnaît un randonneur à la journée, sans même voir son sac ou rien, juste tu le vois, juste en discutant avec, sans qu'il te dise quoi que ce soit de particulier. C'est que le randonneur à la journée, il te dit bonjour et juste après il te dit est-ce que c'est encore loin? On m'a demandé ça au moins 3 ou 4 fois là aujourd'hui là. Ah, et ça fait même, j'ai même pas passé 1 heure pour descendre depuis là-haut, tu vois. Et on m'a posé la question à chaque fois quasiment. C'est marrant. Donc du temps j'étais randonneur à la journée moi aussi. Mais moi je marche tôt, tu vois. Donc quand je redescends généralement, voilà. Mais quand j'étais en France, quand je marche en France, j'avais tendance à toujours dire non, 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 c'est juste à côté. Parce que je suis comme ça, tu vois. Comme ça, ils sont tout contents, ils sont motivés. Et puis après, ils se disent, mais c'est où? Comment ça se fait? Le mec, il nous a dit, c'est juste après leur prochain virage.
Hey! Donc voilà, je suis arrivé. Donc, c'est bien cette chambre et tout. J'ai une salle de bain à moi, c'est cool, c'est assez pratique. Donc, ouais, c'était nickel aujourd'hui pour pas changer. Depuis lundi, c'est bien. Et là, comme tu as pu voir, il me reste 68 km à faire en 5 jours. Donc, je n'ai pas beaucoup marché tous les jours qui me restent. Je vais faire beaucoup moins que 20 km. Je pense que je vais pas faire plus que 15 tous les jours. Normalement. On verra, mais voilà. Donc, peut-être que je ferai une journée un peu plus longue pour avoir pas beaucoup. Ça dépend de où est-ce que je pourrais dormir le dernier jour. Comme ça, enfin, la veille du dernier jour. Comme ça, le dernier jour, j'ai pas beaucoup à marcher. Je peux choper mon bus tranquille. Bref, donc voilà. Donc, c'était nickel. C'était vraiment bien. Le coin à randonneur à la journée. Le coin à retraiter. Mais c'était vraiment cool. J'ai bien aimé en tout cas. C'était joli. Et là, c'est cool, dormir dans le lit. Je vais voir ma tante là quand je l'ai démonté. Le truc, il est encore sorti. Donc, faut que je vois pour arranger ça. Au cas où demain, je serai obligé de dormir dedans. Bref. Donc, voilà quoi. Il est relativement tard. Il est 6h moins 1. J'ai pris tout mon temps, j'ai fait que 20 bornes, tu vois, et j'ai pris vraiment tout mon temps. C'est cool, mais c'est pas plus mal que je marche moins pour les jours qui finissent, qui restent, parce que mes pieds souffrent. Mes pieds, ils veulent prendre leur retraite aussi, ils veulent partir en vacances, ils veulent aller se foutre dans l'eau de ma rivière, ils veulent aller palmer dans la mer. Ils en ont marre et tout de marcher, ils en ont vraiment marre, c'est ouf. Mais bref. Donc voilà, donc sur ce, bim!